Salut, bienvenue à la 29e partie. Nous avons vu que l'expansion des fermiers se poursuit et qu'à leur contact, les chasseurs-cueilleurs du Mésolithique deviennent pasteurs nomades. Le commerce à longue distance permet de transmettre des idées de plus en plus loin et les populations qui reçoivent ces idées les adaptent aux régions qu'ils occupent. Pendant ce temps, les Balkans et l'Asie mineure ont développé les premières techniques métallurgiques. Le 4e millénaire Annonce plusieurs nouvelles tendances. Mégalithisme, hypogée, âge du bronze et naissance des premières grandes civilisations. Après plusieurs millénaires de tentatives maladroites, l'irrigation apparaît presque spontanément en Asie de l'Ouest, en Asie du Sud-Est, en Océanie et en Amérique centrale au cours du quatrième millénaire. Que ce soit par barrage ou par réseau de canaux, l'irrigation permet de diriger l'eau vers des terres agricoles. Permettant ainsi aux fermiers de coloniser des régions plus arides comme le sud ibérique. rare est peut-être apparue dès la fin du sixième millénaire et son usage semble se répandre rapidement. Mais n'oublions pas que certaines inventions ont pu se produire indépendamment à plusieurs endroits. Après avoir domestiqué des céréales comme le blé, l'orge, le millet, l'épeautre, donc moins répandues aujourd'hui mais très importantes au néolithique, et bien sûr quelques légumineuses, les fermiers méditerranéens s'attaquent à la flore locale. C'est le tour des oliviers, des figuiers et des vignes à se faire domestiquer au cours des 4e et 3e millénaires. Les Natoufiens de Palestine profitaient déjà de variétés sauvages de ces plantes dès la fin de l'ère glaciaire, sans les exploiter sérieusement. Les figuiers viennent probablement de Jordanie au 4e millénaire et les oliviers seront importés en Europe occidentale au 1er millénaire. Les vignes parsèment l'est de la Méditerranée un peu partout, donc leur domestication se fit probablement à plusieurs endroits. Bon, même avec la présence de fermiers dans une région, les animaux sauvages sont encore chassés pour leur viande. Dans le cas des animaux domestiques, on peut imaginer qu'ils ont d'abord procuré de la viande aux agriculteurs et que par la suite, nous leur avons trouvé d'autres utilités, comme la laine, le lait et le bas. Le cheval fut d'abord chassé pour sa viande, mais ce dernier fut probablement domestiqué pour son utilité, comme le bas, et ne servira vraiment de monture que plus tard, à l'âge du bronze. Peu après sa domestication, nous retrouvons des chevaux domestiques associés aux populations à céramique cordée et aux poteries campaniformes. Même si la métallurgie ne produit encore que des bijoux ou des objets de parure, dont l'usage reste pour le moment restreint aux élites, les profits de cette industrie n'enrichissent pas tout le monde en parts égales. L'apparition d'objets métalliques coïncide souvent avec l'apparition de classes dirigeantes et avec une organisation sociale à plus grande échelle, entraînant par la même occasion l'apparition d'artisans et d'autres spécialistes dont le rôle ne fait pas partie de la production alimentaire. Rares sont les peuples ayant accès aux ressources nécessaires pour se lancer dans la production d'objets métalliques, d'où le cas particulier de l'Asie mineure et des Balkans. Où les techniques métallurgiques se développent localement au 5e millénaire. Les techniques métallurgiques se propagent alors jusqu'à l'Égypte en quelques siècles seulement, puisque les peuples qui les adoptent n'ont pas besoin de les développer à partir de zéro. Pour exploiter une mine, il faut savoir chercher et reconnaître les filons et pouvoir rassembler une masse d'artisans qui creuseront des puits et des galeries dans la roche à l'aide d'outils en bois ou en pierre, de madriers et d'armatures en bois. À l'occasion, ils chauffent la pierre avec des feux, puis ils verse de l'eau froide pour la refroidir d'un seul coup et la rendre cassante. Ces connaissances pour creuser ne sont pas nouvelles, comme nous avons pu voir à Gobekli Tepe, vers 9600 ans. La différence est qu'ils doivent maintenant nourrir tout le monde pendant une période soutenue. Et bien sûr, protéger un site qui attire de plus en plus la convoitise, surtout une fois les galeries creusées et donnant un accès direct aux minerais. Après tout cela, il faut développer un savoir-faire pour transformer cette matière brute en objet de prestige, comme un bijou, et espérer en tirer profit dans un réseau d'échanges. Donc tout cela avant de pouvoir réellement enrichir sa communauté. Le niveau de savoir-faire des ingénieurs et des artisans et l'organisation à grande échelle nécessaire pour coordonner de telles entreprises n'est pas à la portée de n'importe quelle société. À l'âge du cuivre, il n'est plus question de petites entreprises familiales. Ce sont tous les niveaux de la société qui se spécialisent, portés par les surplus alimentaires et les profits du commerce. Dans le croissant fertile et dans les Balkans, c'est le gadget de l'époque, ultime symbole de statut social. À la fin du quatrième millénaire, ce seront l'Égypte, la Mésopotamie et la Grèce qui prendront le relais des innovations métallurgiques. Tout au long du quatrième millénaire. L'Égypte prédynastique produit de plus en plus d'objets de luxe. Signe que la demande augmente pour des symboles de prestige exotiques. Ailleurs, autour de la Méditerranée, les changements sont plus lents, mais ils sont quand même apparents. En expansion depuis plusieurs millénaires déjà, nous aimerions voir le mode de vie des fermiers comme étant supérieur à celui des nomades. Pourtant, les fosses collectives du 4e et 3e millénaire contiennent un bon nombre d'ossements humains avec des fractures, des rhumatismes, des vertèbres déformées ou des cas de cervicarthrose, donc au niveau de la nuque C'est dire combien ces populations routinières mettent leurs articulations à l'épreuve tout au long de leur vie. N'oublions pas non plus la présence assez fréquente de caries ou, pire encore, des dentaires non traités ayant entraîné la mort. Ajoutons aussi les maladies humaines en plus des nouvelles maladies transmises par les animaux domestiques à cause de leur proximité continuelle aux humains, Donc la variole, le typhoïde, le choléra, la tuberculose, la grippe, Donc des maladies auxquelles notre système immunitaire était mal préparé. Le manque d'hygiène et les contacts avec les nomades ou les villages voisins auront assurément causé des épidémies locales. De plus, nous retrouvons maintenant plus de traces de traumatismes causés par l'homme. Les villages fortifiés et le besoin de contrôler certaines ressources environnantes sont autant de signes qui illustrent bien les changements de mentalité à cette époque. Les conflits violents sont devenus une réalité pour plusieurs communautés sédentaires. Les toutes premières villes apparaissent vers 3500 ans, à quelques endroits prospères de Mésopotamie, le long de la Méditerranée orientale et le long du Nil. Ailleurs, il faudra attendre le troisième millénaire. Pour être qualifié de ville, il faut une forte densité de population, avoir des artisans, des potiers, des spécialistes, des ingénieurs, des métallurgistes et divers professionnels responsables de produire autre chose que de la nourriture. Sans oublier que coordonner autant de gens nécessite une forme d'autorité qui engendre inévitablement des classes sociales apparentes jusque dans l'architecture des demeures. Bien entendu, ces villes ne pourraient exister sans une étroite collaboration avec les fermiers des petits villages périphériques. Qui bénéficient en retour de la vitalité économique de la ville, d'un accès aux produits divers, qui soient fabriqués ou échangés, et, en cas de danger, d'une protection physique à l'intérieur des fortifications. La ville joue alors un rôle économique, politique et administratif croissant. Au cours du quatrième millénaire, de nombreuses communautés construisent des tombes de plus en plus monumentales. Sans qu'on ne les retrouve partout, les hypogées, soit individuels ou collectifs, sont une constante sur le pourtour méditerranéen. Nous ignorons si les communautés entières furent impliquées dans leur construction, ni même si ces tombes étaient ultimement réservées à l'élite. Mais le mobilier funéraire retrouvé, quand il y en a, ce qui est rare, semble pointer vers l'existence de classes sociales. Comment interpréter alors le retour aux tombes individuelles un peu partout au troisième millénaire, sinon que ces tombes furent destinées à quelques individus privilégiés? Après 2500 ans, la mode des architectures mégalithiques déclinera rapidement. L'évolution des cultures ne fut ni constante, ni paisible, ni uniforme. Certaines ont eu des succès rapides et s'estompent aussitôt. D'autres connaissent des cycles de prospérité et de récession. D'autres restent longtemps discrètes avant de s'épanouir. Dans chaque cas, il faut considérer un ensemble de causes possibles. Les conflits internes, l'appauvrissement du sol, les maladies, les changements climatiques, les catastrophes naturelles, l'effondrement d'une économie locale, des conflits violents avec les voisins. Avant de continuer, mentionnons que, sans la pression des prédateurs, les véritables derniers mammouths, isolés sur une île au nord de la côte sibérienne, sont devenus nains. Pour ces derniers, cette fois, il n'y a aucun doute sur la raison de leur disparition. Il s'agit bel et bien de l'homme moderne. Passons maintenant à l'Asie de l'Ouest. Le climat de la Mésopotamie continue de s'assécher. Conséquemment, les villages et les cités naissantes doivent rester près des cours d'eau, et particulièrement l'Euphrate. Le débit du Tigre est trop fort. Les terres au nord, autrefois avantagées par la pluie, sont désormais désavantagées et doivent absolument avoir recours à l'irrigation. Les terres du sud, autrefois marécageuses et boueuses, s'assèchent et deviennent plus intéressantes que les terres du Nord. Sauf que l'assèchement, sans doute accéléré par l'irrigation, se poursuit et les petits villages sont abandonnés au profit des grands centres. Puisque les villes ne peuvent exister sans une agriculture efficace et des surplus annuels réguliers, l'organisation sociale tournera principalement autour de l'eau et n'hésitera pas à monopoliser le débit des rivières au détriment des villages en aval. De manière générale, les sociétés mésopotamiennes vivent de profonds changements socio-économiques tout au long du quatrième millénaire. En expansion vers le nord-ouest depuis le cinquième millénaire, la culture El-Obéide, aussi appelée période Eridou, aura construit de larges temples qui serviront de modèle pendant plusieurs siècles. Leur construction de plus en plus grandiose transcende alors les simples individus et incarne la grandeur de la société qui les a construits. Le peuple est représenté nu alors que les chefs de longues jupes. Les barbes sont rondes, les cheveux sont longs et roulés en chignon sur la nuque, serrés par un épais bandeau frontal. La transition Obéide-Uruk se fera apparemment sans violence. Le village d'Uruk, fondé vers la fin du 5 millénaire, est probablement une fusion de deux petits villages voisins. À Koulaba, du côté ouest, le temple d'Anu reposait sur plusieurs anciens temples. Au centre d'Ehana, une massive zikurate repose sur au moins sept anciens temples précédents. Et le fameux temple de calcaire, mesurant 80 mètres par 30 mètres, était recouvert de gypse blanc pour donner une apparence éblouissante, et comprenait de grandes cours, des murailles, des colonnes et des décorations de dessins géométriques et de mosaïques aux couleurs vives. Our, Nippur, Iridou et Ourouk reproduisent le même modèle de temple que la culture obéide. En construisant par-dessus les anciens, mais en plus gros et sur des plateformes plus élevées. L'usage du cuivre se répand vers la culture Yamna, en Asie centrale et même en Mésopotamie, où la rareté des gisements de cuivre impose de continuer à fabriquer les outils en argile. La Mésopotamie est aussi pauvre en bois, d'où la nécessité d'avoir des spécialistes qui apparaissent très tôt afin de produire des objets de luxe, comme la céramique et les bijoux, en grande quantité et les échanger contre du bois ou du métal. Ainsi, l'usage croissant du métal impose un commerce avec des régions lointaines. Ourouk attire rapidement les habitants des villages environnants et devient la plus grande cité de la région. La période d'Ourouk, de 3750 à 3150 ans, annonce la fin des autarcies. Son abondante céramique est faite autour, soigneusement polie, mais jamais peinte, quoiqu'elle est parfois incisée. De couleur beige, grise ou rouge, on la retrouve de la Syrie au sud de l'Iran. Nous voyons apparaître de nouveaux intermédiaires, comme des négociants et des transporteurs, et d'innombrables comptoirs commerciaux ou avant-postes, tous calqués sur le modèle de la ville d'Uruk. Ceux qui gèrent les temples sont investis d'un pouvoir social, issu d'un long processus d'organisation des millénaires précédents. Mais de nouvelles classes sociales, comme les ouvriers, les artisans, les soldats, les fonctionnaires et ainsi de suite, laissent croire à l'apparition d'élites politiques en parallèle du pouvoir religieux. Nous assistons ici à la naissance des premières cités-États. Malheureusement, nous ignorons s'ils sont administrés par des rois, des conseils de sages, des sortes de démocraties ou autres. Nous ignorons comment ils structurent leur société et nous ignorons la fonction exacte des grands bâtiments. Qui pourraient être des maisons communes, des lieux de réunion, des conseils de sages, pour le stockage de nourriture ou autres ressources. Puisque ce ne sont pas des temples, ces bâtiments sont considérés comme des grandes maisons, sans doute destinées aux élites. Difficile de savoir s'il s'agit de leaders militaires, de prêtres, s'il s'agit d'un seul individu ou d'un groupe. Autrement dit, avant les incontestables palais du troisième millénaire, nous avons tendance à associer les élites aux temples. Bref, l'ampleur des travaux collectifs, qu'il s'agisse des enceintes de la ville, de canaux d'irrigation ou de bâtiments de prestige, soit religieux ou civils, démontre le dynamisme et le savoir-faire des populations mésopotamiennes. La surpopulation creuse sans doute un fossé entre les riches et les pauvres. Et si la redistribution des ressources, comme l'eau et la nourriture, est non équitable, du moins elle est structurée. Cette hiérarchisation de la société augmente le prestige et l'autorité des élites. Et permet une plus grande spécialisation des populations citadines, donc des administrateurs, des scribes, des architectes, des petits commerçants, des artisans, des artistes, des surveillants, des contremaîtres, des marchands, des ouvriers, des soldats, des paysans, des marins et ainsi de suite. Le commerce régulier et l'utilisation de bulles enveloppes, de jetons à pictogrammes ou de tablettes numérales auront jeté les bases d'un système de comptabilité. Les sceaux et tampons servant à imprégner une enveloppe, une porte ou un contenant sont souvent portés au cou. Ils deviennent des symboles d'autorité pour ceux qui les possèdent. Dans les villes comme Uruk, devenues d'énormes centres commerciaux et administratifs, le système se complexifie pour préserver des dossiers de transactions commerciales, des inventaires d'entreposage, de production et de distribution et finit par engendrer un système de tablettes d'argile qui, une fois séchées, ne peut plus être altéré. Au début, ils font des impressions avec les jetons en ajoutant un système de numérotation puis entre 3400 et 3300 ans, ils n'ont plus besoin des jetons. Ils utilisent des roseaux qui sont très abondants dans la région pour écrire sur les tablettes, en faisant d'abord des dessins reconnaissables, donc les parties du corps des animaux, des vases, des bateaux. La difficulté de faire des lignes courbes dans l'argile sera réglée en faisant des lignes droites. Et avec le temps, les dessins deviennent plus petits, plus compacts et perdent toute ressemblance avec le dessin originel le texte résultant est difficile à lire, car la signification d'un symbole dépend de son contexte. Autrement dit, l'écriture émerge en Mésopotamie suite à un long processus initié par des marchands et des comptables, et nous pouvons voir l'évolution se faire sur plusieurs millénaires, tandis que l'écriture hiéroglyphique des Égyptiens semble apparaître d'un seul coup un peu plus tard, vers l'an 3100. Donc, telle une idée reçue, déjà toute faite, mais réadaptée en saveur locale. L'absence de signes de violence lors de la transition Uruk-Jamdat-Nasser nous laisse croire qu'il s'agit de la même population pour les deux cultures. La période Jamdat-Nasser débute vers moins 3150 et marque le début de la civilisation sumérienne. Les Sumériens n'ont pas tout inventé et certaines techniques ont pu émerger ailleurs. Cela dit, la pression du nombre de bouches à nourrir aura forcé les Mésopotamiens à innover pour augmenter la productivité, comme dans le cas du vrai tour à poti qui remplacera vite la tournette. Ainsi, l'arare remplace la houe, les chariots à quatre roues remplacent les traîneaux, les bateaux à voile apparaissent et ils moulent des alliages de cuivre. L'architecture devient plus imposante et leurs innovations s'inspirent clairement du passé. Donc il ne s'agit pas de populations étrangères qui arrivent dans la région. Pourtant, tous ces progrès semblent pâlir à côté de l'invention de l'écriture, qui permet de préserver et de transmettre des informations précises à travers les âges. Avec l'écriture, critère arbitraire malgré tout, nous arrivons à l'aube des premières civilisations en bonne et due forme. C'est la fin de la préhistoire et le début de ce que nous appelons l'histoire. Mais nous devons arrêter ici avant la fin du millénaire pour nous tourner vers les autres régions de la Méditerranée et garder le passage à la civilisation pour la prochaine partie. Alors regardons un peu plus près ce qui se passe en Palestine. S'il est possible que plusieurs sites décrits comme des temples ou des sanctuaires ne le soient pas, il en existe au moins quelques-uns qui le sont assurément. Les temples de Njedi, Megiddo et de Gilat ont de fortes ressemblances et seraient bien des temples. Il y a aussi quelques autres bâtiments que nous voudrions voir comme des temples. Sans oublier les nombreux autres indicateurs de lieux de culte un peu partout, comme des stèles, des bétiles et des masbeaux Située au carrefour des réseaux commerciaux, la culture Gassoul-Bercheva est une des premières en Palestine à expérimenter avec les métaux. Nous y retrouvons de nombreux objets de prestige, comme des sceptres décorés, des masses sphériques ou discoïdes, des couronnes, des petits récipients. Mais aussi quelques objets utilitaires pour le quotidien, comme des haches, des ciseaux, des haleines, des aiguilles. À la technique du cuivre fondu et coulé s'ajoute la technique dite à la cire perdue, qui permet de fabriquer des pièces de qualité en cuivre arsénier. En plus des étranges masques aux cercles blancs autour des yeux, plusieurs maisons de gasoule ont des murs contenant des traces de peinture. Et malgré une certaine aridité, les villages de la région cultivent des jardins, des oliviers et des palmiers Grâce à leur nouvelle technique d'irrigation. Utilisées presque en continu du Néolithique à aujourd'hui, les grottes du désert de Judée ont permis de dissimuler des fugitifs, des objets précieux, comme les manuscrits de la mer morte, et des tombes secrètes. La tombe de Mishmar, de loin la plus prestigieuse, contenait plus de 400 objets de cuivre, dont 137 sceptres et 10 couronnes, ainsi que de nombreux autres objets non métalliques donc en céramique, des récipients osier, des textiles, des métiers tissés, des sandales de cuir, des restes d'animaux. Bref, l'ampleur du butin laisse si perplexe qu'on est porté d'y voir une marchandise cachée hâtivement à l'abri d'envahisseurs, car il s'agit bien d'une époque troublée. Ou encore, il pourrait s'agir d'un dépôt appartenant à un groupe, une famille ou une lignée de prêtres ou dirigeants, car le village aurait pu servir de lieu de culte pour la région. À la fin du quatrième millénaire, la concentration de certaines richesses prisées engendre les premières villes de Palestine aux impressionnantes fortifications. Gassoul, Abu Hamid, Beersheba, la présence de grands bâtiments implique des individus au statut social plus élevé que les autres. Nous ignorons s'il s'agit d'une forme d'autorité monarchique, peu plausible pour l'époque, ou s'ils sont dirigés par un conseil de sages, un conseil de bandes, de clans ou de grandes familles. En plus des occasionnels conflits avec les villages voisins, n'oublions pas les Égyptiens, plus au sud, qui s'organisent et s'enrichissent plus vite que tous. Les tentacules de l'Empire égyptien atteindront vite cette région. Un peu plus au nord, les populations ne pratiquent pas de métallurgie, et cela malgré la présence de gîtes de cuivre à quelques dizaines de kilomètres de distance. N'oublions pas que les techniques sophistiquées de fabrication d'objets de prestige en cuivre devaient être des secrets bien gardés. Il faudra attendre le troisième millénaire pour que le métal prenne plus d'importance jusqu'aux premiers objets de bronze à la fin du troisième millénaire, lorsque s'amorcera le déclin des villes palestiniennes. Construite sur un petit cap rocheux, flanquée de deux anses pouvant servir de port, Byblos profitera surtout de sa proximité aux forêts de cèdres dès le quatrième millénaire et devient une ville au cours du millénaire. Véritable vache à lait de l'Antiquité, ce bois de cèdre légendaire. Se dirigera vers l'Égypte tout au long de l'âge du bronze. Sur Chypre, la longue tradition de maisons circulaires est délaissée pour les maisons rectangulaires et les poteries passent des décors de lignes ondulées à motifs peints en rouge sur fond crème. Ils fabriquent alors des figurines de terre cuite à tête renversée vers l'arrière et font leur entrée dans l'âge du cuivre. Les tombes, en forme de bouteilles, seront creusées dans la roche à partir de la fin du quatrième millénaire. Les populations d'Anatolie ne creusent pas d'hypogée avant l'âge du bronze. Mais prenons un instant pour parler du site de Troie. Absolument rien n'indique que nous ayons trouvé la véritable ville mythique de l'Iliade, qui raconte l'histoire d'un siège de dix ans aboutissant à la destruction de la ville au deuxième millénaire. Le site archéologique démontre un emplacement prospère jusqu'au tour de l'an moins 1100. Neuf villes se superposent, chacune Ayant existé plusieurs siècles. À l'âge du bronze ancien au quatrième millénaire, la première ville est une petite citadelle de moins de 1 hectare, limitée au nord de la butte, avec une maison qui pourrait être une sorte de mégaron. Donc, il s'agit d'un immeuble de 12 mètres par 5,5 mètres avec un porche. Cette modeste phase ancienne démontre pourtant un souci de se protéger. La seconde phase voit un plus grand mur, un mégaron central, Plusieurs demeures de prestige et de larges bâtiments communs. L'ampleur des travaux et le niveau d'organisation laissent croire à un petit fief princier. Sans oublier les incroyables trésors trouvés dans leurs tombes, qui témoignent de leur richesse. Passons maintenant à l'Europe. Dans les Balkans, plusieurs villages du Quatrième millénaire construisent des murs de protection, comme à Malik en Albanie. Au-delà des petits objets métalliques, comme des perles ou des aiguilles. Il fabrique vite de plus gros objets comme des haches herminettes. La demande accrue entraîne le développement de nouvelles spécialités comme les prospecteurs, des mineurs, des forgerons, des colporteurs et entraîne bien sûr l'enrichissement des élites politiques et économiques de la région. En Bulgarie, ils s'organisent et creusent les premières galeries dans la mine de haï Bunar. Des objets de cuivre ont été retrouvés jusqu'en Roumanie et en Ukraine. Mais cette mine est la seule dont le prestige rayonna si loin. De son côté, la mine de Rudnaglava semble être exploitée de façon plus saisonnière et moins systématique. Du 5e millénaire à la fin du 4e millénaire, ces deux mines auront produite à elles seules plusieurs tonnes de minerais que l'on retrouve sous forme de divers objets un peu partout dans les Balkans et le long du Danube. À la fin du 4 millénaire, nous voyons apparaître les premiers objets en bronze, sauf que cette invention, ne créera pas vraiment de demande avant le deuxième millénaire. De toute façon, les mines s'épuisent et les populations de la région déclinent peu à peu, retournant parfois à la vie nomade en devenant pasteurs de troupeaux. Les grands centres métallurgiques du troisième millénaire seront en Caucase, en Asie mineure, vers les Alpes ou en Europe centrale. Même si une tombe contenant des objets de luxe n'implique pas nécessairement un rang plus élevé, les inégalités apparaissent souvent dès l'apparition des objets de métal, comme nous avons vu chez les populations de la partie sud du Danube et de la Bulgarie orientale au 5e millénaire. Donc aussi chez la plupart des peuplades en périphérie des Balkans, qui deviennent des sociétés métallurgistes au cours du 4e et 3e millénaire. La seule exception est une poignée d'îles des Cyclades, exposées aux techniques métallurgiques de l'époque en servant de relais entre l'Asie mineure, la Thrace et la Macédoine. Ils et produisent quelques banals objets de cuivre dès le début du quatrième millénaire. À partir de la seconde moitié du millénaire, ils produisent aussi des objets en argent ou en plomb. Au cycladique ancien, donc de 3200 à 2700 ans, les villageois commencent à se protéger derrière des murs de fortification. On retrouve alors trois groupes le groupe Pélos, aux figurines en violon, aux pointes de lance en bronze et aux poteries à incision en arête de poisson. Le groupe Plastiras, aux figurines de marbre, tête ovale, nez en relief, bouche incisée, bras joints sous la poitrine et jambes séparées. Et le groupe Louros, lors de la transition au cycladique ancien II, avec des statues à tête en V, les bras réduits, le visage peint et une céramique rituelle. Ailleurs, autour de cette région, malgré quelques objets isolés, la métallurgie ne commencera pas vraiment avant le troisième millénaire. La fin du millénaire voit le début du Minoïen ancien, de 3200 à 2050 ans, sur l'île de Crète. Future puissance maritime de l'Égée qui, selon certains historiens, était peut-être une société matriarcale. Il creuse les premiers hypogées de l'île, comme les nécropoles de Agia Photia et de Mavros Pilio, et peut-être même l'étrange bâtiment souterrain de Knossos. Mais pour l'instant, cette culture connaît des débuts modestes. Au début du 4e millénaire, les populations de chaque côté de l'Adriatique se ressemblent encore, mais les cultures à poteries peintes sont en expansion jusqu'en Italie centrale et en Sicile, donc surtout dans le cas de la culture Diana. On retrouve des poteries à bouche carrée dans le nord italien et les poteries non décorées des Chasséens sont retrouvées de la Toscane au Portugal. Puis, entre 3500 ans et 3200 ans, les populations d'Italie cessent de bouder la métallurgie et se mettent à creuser des grottes artificielles pour enterrer leurs morts. On parle ici des civilisations Gaudo, de La Terza et de Rinaldon. Dans la nécropole de Ponte San Pietro, en Lombardie, une tombe contenait un homme dans la trentaine au centre, avec ses armes de guerrier, tandis qu'une femme gisait à ses pieds, contre le mur, dans une attitude d'humilité, le crâne fracassé. Les peintures rupestres de l'ouest méditerranéen deviennent plus complexes, comme à portée Badisco, et s'accompagnent de symboles étranges, comme des cercles concentriques, des arabesques spiralées, réticulées, des macaronis, des spirales, des volutes, des motifs en S, des damiers, des triangles, et ainsi de suite. En passant du figuratif au concept abstrait, l'interprétation des peintures devient alors limitée aux initiés. Cette transition s'opère pendant le millénaire où les populations passent de la chasse et pêche à la vie de fermiers et d'éleveurs, donc à un moment où changent leurs symboles et leurs systèmes de référence. À Malte, en Sardaigne et au Portugal, ce sont les constructions en pierre d'envergure, comme des temples, des hypogées et d'autres immeubles, qui symbolisent l'ampleur des travaux et des changements, mais les causes de ces changements nous échappent. Les premiers hypogées de Malte, associés à la culture de Scorba, de 4000 à 3800 ans, serait à Zebug. Au fil des siècles, la pièce creusée devient plus grande et commence à inclure des logettes, comme à la nécropole de Shemshia pendant la période Imjar. Le vaste labyrinthe souterrain à trois étages de la nécropole de Hal-Safiani contenait entre 6000 et 7000 individus inhumés. Quelques 500 kilomètres carrés entièrement creusés avec des outils de pierre, de bois ou d'os, donc pas de métal. Certains auteurs la qualifient de plus belle cavité funéraire de la Méditerranée. L'entrée mégalithique, qui imite les temples maltais, fut probablement construite dans les débuts. À proximité du sanctuaire de Gigantia, le cercle de Brocktorf avait une clôture de 45 mètres de diamètre, des piliers mégalithiques à l'entrée menant vers une aire de puits funéraires, quelques autels et quelques marches vers une série de caveaux, de niches et de couloirs. Ce site monumental, servait probablement à des cérémonies complexes. Même si les premiers temples maltais sont de taille modeste vers 3500 ans, ils précèdent les grandes pyramides égyptiennes de plusieurs siècles, ce qui démontre le dynamisme remarquable des populations maltaises du 4e millénaire. Chaque temple semble évoluer à son rythme, puis ils déclinent tous à partir du début du 3e millénaire. Les plus anciennes tombes de Sardaigne dateraient du 5e millénaire. Mais c'est surtout au cours des 4e et 3e millénaires qu'ils creusent des hypogées. Nous en connaissons environ 1400, souvent par groupe de 10 à 20 tombes. Ces tombes sont appelées maisons de fées, à cause de l'effet des coups de pic dans le roc. La culture osierie est aussi la première à exploiter la nécropole d'Angelo rouillou où l'on retrouve au moins 38 tombes, sans oublier les nécropoles de Santu Pedru et de Andrea priou À Mandra Antin, les fresques de l'époque ont presque toutes disparu. La pyramide de Monte Dacodi dut servir de lieu de culte pour les populations de la région, donc lors de cérémonies collectives. Le site est construit en deux temps, en intégrant deux temples successifs. Nous avons peu de traces d'occupation en Corse au début du quatrième millénaire, et généralement peu d'objets métalliques en Sardaigne. Ce n'est qu'à la fin du millénaire que la métallurgie apparaît doucement sous l'influence des Campaniformes. Avec l'expansion de la culture chasséenne, de 4500 à 3200 ans, plusieurs petits villages de 1 à 4 hectares apparaissent. Quelques-uns atteignent 20 hectares, et même 100 hectares dans le cas du site de Montélimar, sur le Rhône, mais ce dernier est l'exception. Les villages sont souvent entourés d'un fossé creusé, avec passage d'accès, et parfois complémenté d'une palissade en bois. Malgré les disparités locales, les Chasséens, Auront aidé à harmoniser les économies, les sociétés et les cultures pendant un bon millénaire. Les populations adoptent des sépultures collectives, qu'il s'agisse de grottes naturelles, de dolmens ou d'hypogées, et développent de vastes réseaux d'échanges. Le métal apparaît très lentement dans le sud de la France au cours de la seconde moitié du millénaire, c'est-à-dire lorsque la culture chasséenne disparaît de la région. À partir de la fin du quatrième millénaire, les populations du sud de la France fabriquent des statues, qui pourraient être des divinités, des ancêtres ou autres. Ce sont généralement des visages humains, mais aussi des corps d'hommes et de femmes. Ils n'ont jamais de bouche, et les yeux sont souvent absents, mais fortement suggérés par le nez et les sourcils, alors que le reste du corps est sommairement tracé. Par exemple, les stèles au sud du Vaucluse, à la fin du quatrième millénaire, et peut-être avant, au nord-ouest de l'Hérault, on parle ici de la statue de Saint-Cernin, dans la région de Montpellier, où les statues sont très simples, comme le modèle répandu de la tête de chouette, au Languedoc oriental, les stèles ont aussi des visages simples, donc avec les nez, les sourcils, les yeux, et des bras occasionnels, mais sont beaucoup plus détaillés. Divers modèles d'hypogées sont retrouvés sur les côtes d'Espagne et du Portugal, de la simple fosse creusée dans le sol, jusqu'aux tombes à longs corridors aboutissant à une antichambre, puis à une grande salle sépulcrale. L'étendue des galeries minières du quatrième millénaire retrouvées à Gava est impressionnante, donc jusqu'à 250 hectares. Ils extraient divers minerais, comme de la varicite, de la turquoise, de l'oxyde de silice, de la lidite, de la tridimite, du quartz, des ocres et ainsi de suite. Si ce niveau d'effort soutenu doit être à la hauteur de la demande… N'oublions pas qu'ils servent à produire des objets de prestige réservés à une toute petite partie de la population. Pour cette raison, nous croyons que ces mines sont des cas isolés, dont la portée commerciale, sans doute maritime, justifiait telle ampleur. Difficile d'imaginer que les terres arides actuelles de l'Andalousie, au sud de l'Espagne, aient pu engendrer trois millénaires de nécropoles mégalithiques et de forteresses impressionnantes, de la fin du néolithique à l'âge du bronze. Nous parlons ici de Almeria au 4e millénaire, Los Milares, datant du 4e et 3e millénaire, et El Argar, qui date des débuts de l'âge du bronze. Comment expliquer un tel succès dans une région si aride Il faut dire que les premières traces d'irrigation connues en Europe sont en Espagne, et que ces communautés avaient besoin d'irrigation pour réussir. Sans oublier quelques sites de cuivre, qui leur permettent de développer leur expertise et faire du commerce. Passons à l'Afrique. Sur la frange méditerranéenne, impossible de savoir à quoi ressemblaient les populations africaines du néolithique, pourtant contemporaines de l'âge d'or des fermiers pionniers. À part quelques endroits comme Skirat au Maroc, possiblement habités par des fermiers, les populations d'Algérie et de Libye semblent devenir pasteurs de troupeaux. Nous connaissons encore plutôt mal l'époque pré-dynastique égyptienne. Le territoire se distingue en deux régions qui font référence au flot du Nil et non à leur position sur une carte. La haute Égypte, située au sud, et la basse Égypte, située au nord. Les maisons de basse Égypte, comme à Mérimée, sont plutôt construites en groupe et sont faites de torchis, de bois et de roseaux. Alors qu'en haute Égypte, les Amraciens les maisons sont construites un peu n'importe où, en argile, en pierre et en roseau. La métallurgie se développe surtout au cours du quatrième millénaire, pendant ce que nous appelons le pré-dynastique évolué. La période Nagada entame sa seconde phase avec le Gerzien, de 4000 à 3500 ans, c'est-à-dire avec des poteries aux motifs très stylisés. Le commerce à longue distance permet d'importer de nombreuses pierres précieuses comme des turquoises, des agates, de la cornaline, du lapis lazuli, et ainsi de suite. Et grâce aux mines de cuivre du Sinaï, ils fabriquent soudainement une panoplie d'objets. Des haches, des ciseaux, des poignards, des rasoirs, des points de flèches ou de harpons, des épingles, des haleines, et ainsi de suite. Nous voyons apparaître des artisans spécialisés en métallurgie qui développent vite un style propre à la région. Et les offrandes laissées dans les nécropoles trahissent des élites montantes. À cette époque, la culture du Nord influence de plus en plus celle du Sud, donc jusqu'à la phase Nagada III de 3500-3150 ans, où les cultures du Nord et du Sud seront un peu plus mixtes. Comparée à l'époque pharaonique qui suivra, la culture jerséenne est déjà très raffinée, surtout en ce qui concerne la religion et les rites funéraires. C'est-à-dire que les techniques d'embaumement qui permettront de momifier les pharaons dateraient de cette époque lointaine. Et comparé... Au corridor syro-palestinien, encore largement pastoral, malgré quelques gros villages distincts, l'Égypte de la seconde moitié du 4e millénaire s'organise autour de grands centres urbains qui sont très similaires culturellement du Delta jusqu'à ou aussi appelé Nekhen. Au cours du 4e millénaire, Hierakonpolis jouera le rôle de capitale au sud, mais la construction de murailles autour des villes de l'époque en dit long sur les relations entre chaque petite capitale princière. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les Égyptiens n'aiment pas trop le désert et préfèrent rester le long du fleuve. À la jonction du Nil bleu et du Nil blanc, les deux sources ont visiblement une couleur bleue d'un côté et blanche de l'autre. En aval, lors de la crue du Nil, les sédiments donnent une teinte rouge à l'eau. Puis, la teinte passe au vert. Ensuite, l'eau monte de 10 mètres et déborde. Chaque année, les deux rives sont fertilisées abondamment, comme par magie. En creusant les canaux d'irrigation, ils apprennent à organiser de grands travaux publics sous la direction d'administrateurs et dirigent l'eau sur une plus grande surface, leur permettant d'accumuler encore plus de surplus. L'Égypte sera un des grands producteurs de grains de l'Antiquité, lui permettant de maintenir une armée permanente, qui pourra alors s'entraîner et devenir professionnelle, toujours prête à combattre. Avec de telles armées, les rois pourront garantir l'accès aux ressources prisées, Partir en expédition punitive contre leurs voisins, jusqu'au jour où un roi unifia la Haute et la Basse Égypte. Au moment de la conquête, le pouvoir de la Haute Égypte, au sud, est symbolisé par une longue couronne blanche. Au nord, en Basse Égypte, c'est la petite couronne rouge avec une plume de vent. L'unification du territoire sera présentée comme une victoire du sud, mais la culture démontre plutôt une influence croissante du nord sur le sud. Une tête de massue provenant d'Hieracompolis montre un roi de taille héroïque portant la couronne blanche du Sud et dont le nom est représenté par un scorpion. On y voit des scènes de reconnaissance et une rangée d'enseignes représentant les diverses provinces du pays. La conquête d'unification est attribuée à Narmer, roi du Sud, autour de 3150 ans. La palette de Narmer, aussi retrouvée à Hieracompolis, montre un homme vêtu comme scorpion, portant la couronne blanche et arborant une barbe postiche, et tenant un ennemi du Nord à une main et une masse dans l'autre main sur le point de lui fracasser le crâne. Sous ses pieds gisent deux ennemis morts. Cette pose sera retrouvée dans l'art pharaonique des trois prochains millénaires. Le nom inscrit en hiéroglyphe dans le rectangle du haut est Poisson-Ciseau, qui se prononce Nar-Mer. Sur ce même côté, on retrouve un faucon représentant le dieu Horus, tenant un autre ennemi par une corde reliée à son nez. La tradition égyptienne voudra que les pharaons soient intimement liés à Horus. De l'autre côté de la palette, encore Narmer, mais cette fois il porte la couronne rouge. De la même taille que Scorpion, il est avec son vizir, qui marche un peu recourbé en transportant sa peau de léopard sur le dos. Les deux se dirigent vers des ennemis sans tête, aux mains liées derrière le dos. Voilà ce qui arrive aux ennemis. En bas de la palette, un taureau défonce les murs d'une ville et piétine un ennemi. Au centre, nous retrouvons deux léopards, aux longs coups entrelacés, formant un cercle, sans doute là où l'on broyait les pigments. Certains auteurs y voient un symbole de l'unification des deux Égyptes. Il aurait donc fallu plus d'une guerre pour unifier le territoire autour d'un gouvernement central. D'abord situé à Hierakonpolis. En plus d'unifier l'Égypte, de coloniser le Sinaï et peut-être même une partie de la Palestine, Narmer établit rapidement une longue tradition de pouvoir concentré en une seule personne. Les pharaons ne seront pas que des rois, ils seront des dieux, dont la parole fait loi divine, et seront dotés d'une armée professionnelle pendant près de trois millénaires. L'ancien empire égyptien. Qui débute avec la période tinite, de 3150 à 2700 ans, est essentiellement un âge du cuivre, qui produira une énorme quantité d'objets de cuivre, donc des poignards, des pointes de javelot, des coins, des haches, des ciseaux, et ainsi de suite, mais aussi divers objets en or et en argent, comme des rasoirs, des épingles, des bijoux et des bracelets. L'Égypte n'adoptera pas le bronze avant le deuxième millénaire. En guise de conclusion, Simplement en regardant la région méditerranéenne du 4e millénaire, nous avons le sentiment d'assister à un moment charnière de notre histoire. En Asie de l'Ouest, le mode de vie nomade disparaît peu à peu face aux fermiers pendant que la région s'urbanise et que s'installe l'Ancien Âge du Bronze le long de la côte syrienne. L'Asie mineure, particulièrement prospère, voit apparaître de nouveaux centres dynamiques, aidant du même coup les populations des terres grecques et des Îles Égéennes à passer à l'Âge du Bronze. Malgré le déclin des Balkans, la Dalmatie, l'Italie et le sud de la France font leurs premières pièces de cuivre et creusent des hypogées. À Malte, c'est le début d'une période mégalithique glorieuse. L'Espagne et le Portugal construisent de grandes forteresses dans des endroits arides et hostiles aux fermiers. Et les populations du Maroc semblent toujours en contact avec leurs voisins ibériques. Pendant ce temps, la Mésopotamie et l'Égypte poursuivent leurs ascensions rapides en produisant des pièces artisanales de qualité remarquable. Vers la toute fin du millénaire, nous assistons à une accélération des événements, lorsqu'apparaissent les premières cités-États et que l'usage de l'écriture s'immisce dans tous les domaines de la société. À Sumer, Uruk atteint alors 200 hectares, dont un mur entourait près de 9 km. En comparaison, les villages de la culture El-Obéide faisaient environ 10 hectares. Au début de Sumer, nous retrouvons une bonne dizaine de villes de 20 000 à 50 000 habitants. Leur organisation est beaucoup plus complexe que celle des villages de pêcheurs d'une centaine d'habitants. Les familles sont plus grosses, en plus des nomades, des semi-nomades et de l'immigration des villages environnants qui viennent à la recherche de protection, de travail ou pour faire fortune. Afin de faire plus de place aux premières civilisations, ce récit doit changer à nouveau son approche en réadoptant un cadre mondial. Aussi, nous n'avons pas encore terminé le quatrième millénaire en ce qui concerne l'Égypte et Sumer. Le temps est donc venu de tourner la page sur la préhistoire.